Bienvenue sur la chaîne de Pierre le prof euh, ma 150e euh, chaîne de Pierre le prof on aime voir les choses un petit peu en dehors de la boîte et ce matin dur retour à la réalité du retour sur le plancher des vaches après les euh, résultats de l'élection d'hier, nous sommes le 4 octobre 2022 le début d'une ère nouvelle euh, où les euh, gens qui ont la faculté de penser et de réfléchir vont devoir redoubler d'efforts pour se faire respecter. J'en ai bien peur, mais n'est ce pas là euh, le mandat auquel on s'attendait? Évidemment, mes intuitions de la veille ont été confirmées. Madame Anglade est la euh, chef de l'opposition officielle. Euh, on va réaliser en même temps aujourd'hui à quel point c'est important ce euh, poste-là, ce rôle-là qu'elle a. Monsieur Legault, on savait qu'il rentrerait. Monsieur Legault qui est rentré. Qu'est-ce qu'on peut en dire là Écoutez, revenons là-dessus. Euh, faut pas euh, être plus alarmé. Ce qu'il faut, on s'en attendait, on s'attendait pas à. un... À une majorité aussi forte. Euh, mais qu'est-ce que ça nous démontre tout ça? 41% du vote pour M. Legault. Ben, dans le fond, là, il a rien de surprenant. Ce 41%-là, c'est celui euh, qu'on essaye de dépeindre depuis deux, trois ans. C'est ce, ce 41%-là de la population. Euh, qui se comportent comme du bétail, qui ne suit pas les dossiers politiques. OK, on en faire une bande de ma tante Apolline qui ne sont pas capables de parler du moindre dossier politique, qui vont être plus... Euh Occupé à parler de la coupe de cheveux des candidates ou des candidats. Alors, c'est à ça qu'on enferme. Fait. Mais, malheureusement, c'est ça la démocratie. C'est que la majorité finit par l'emporter. C'est pour ça que je ne crois pas vraiment à la démocratie pure et dure. Parce que je veux pas que mon bien-être dépende d'une portion de la population qui est pas capable de faire ses devoirs et qui est irresponsable. Alors, c'est ce que je pense de ce 41%-là. Vous devriez avoir honte Ok, j'excuse je, un peu ceux dans ce nom là qui disent « Ben, la grosse groupe chinoise est venue fausser les données, là, pis, euh, monsieur M. Legault, ce serait mieux de tirer d'affaires en temps normal, alors on va lui laisser une deuxième chance ». Ça, c'est de la frime, évidemment. C'est un piège. Mais qu'est-ce que vous voulez? On en affaire à des gens ignorants. Et je ne me gêne plus de le dire. Le 4 octobre, c'est la date du début de cette nouvelle ère où les gens vont devoir se faire respecter et redoubler d'efforts pour se faire respecter par les gens qui... Ne font pas le poids et ne sont pas vraiment conscients de la situation. Alors aujourd'hui, on parle de quoi on, on continue dans la rubrique de l'auto sabotage. Comment saboter une élection Évidemment, vous, vous aurez compris que toutes ces formes de sabotage là sont en réalité toutes des formes de division. Okay? c'est tout, c'est tout le même phénomène de division qui prend des formes différentes. Mais celle d'aujourd'hui, le sabotage, la, la troisième règle de l'auto sabotage aujourd'hui, c'est le Vote identitaire, ok, Très important de bien prendre note de ce que je vous dis aujourd'hui, si vous ne le savez pas déjà, évidemment. Le vote identitaire, qu'est-ce que c'est? Alors, écoutez. Euh, depuis euh, que 20, 30, 40 ans euh, et depuis le, le, la création des programmes d'accès à l'égalité, euh, on, euh, on assiste à un phénomène. Euh, de prise en charge d'une partie de la population euh, au niveau euh, qui ont des, des ramifications et des conséquences psychosociales importantes. Je parle des, euh, des, euh, de cette portion de la population qui se dit toujours victime. Okay? Et ça, c'est plus important qu'on le pense. Qui sont les victimes professionnelles OK, c'est toujours les mêmes, les groupes ciblés par les programmes d'accès à l'égalité. Vous je ne me tarirai jamais euh, de vous en parler, les femmes, les handicapés, les immigrants et les minorités visibles, OK on a donné tous les avantages à ces gens-là. Quand on les recrute, on reçoit de l'argent, on les bonifie si on donne préférence, priorité à ces gens-là lors de l'embauche, lors du recrutement, lors de l'émission de bourses, euh, de subventions, euh, lorsqu'il y a des ouvertures de postes dans l'organigramme. On va toujours, toujours favoriser et bonifier les employeurs qui favorisent les gens des groupes ciblés dont je viens de vous parler. Évidemment que ça, ça a des, euh, des, échos importants dans le monde politique. C'est quand les candidats s'avancent, comme une Madame Anglade, qui était la seule femme sur le panel des chefs, lors du débat des chefs, ça, évidemment, ça passe pas inaperçu. Il y a des femmes qui s'identifient à ça, qui disent, ah, on sait bien, il y a juste une femme, fait qu'on va, on va l'appuyer. Alors, tu sais, on n'appuie pas Madame Anglade à cause de ses compétences, mais bien juste parce qu'elle a un vagin. Ok, je ne dis pas que Madame Anglade n'a pas de compétences. Écoutez, j'ai fouillé dans son CV euh, et euh, quand je vous parlais d'elle avant, je ne réalisais pas l'ampleur du désastre. Mais quand je vous parle qu'on coiffe et qu'on manicure des euh, candidats politiques longtemps à l'avance, il faut me croire. Ok, et c'est le cas ici chez Madame Anglade. Je fais une petite anecdote personnelle. Moi, j'ai l'âge de Jean Charest. J'ai été à l'école avec Jean Charest. J'étais assis sur les bancs d'école à côté de Jean Charret. Je peux vous dire que Jean Charret, c'est un de mes amis. Ok, puis là je veux pas partir de controverse. Je connais Jean Charret depuis qu'on est enfant. Je pense qu'on avait quatre ans ou cinq ans quand on s'est vu la première fois. On, certainement aux primaires, en tout cas. on se connaît depuis toujours. Jean Charet m'a déjà subventionné pour des projets de journalisme scolaire quand j'étais enseignant. Jean Charet m'a déjà appuyé. J'ai des lettres de ministre ici, signées de la main de Jean Charret. Jean Charret, c'est quelqu'un de qui je peux parler en bien, parce que je l'ai connu sur une base personnelle. Il est bon avec les gens, il est diplomate, il, il est attentif, il a une bonne écoute. C'est un gars qui avait des grandes qualités. Et je vous dis tout ça pour vous dire, on l'a sélectionné de bonheur. On a vu, ça c'est un poulain ça euh, sur lequel il faut investir puis miser. Et c'est ce qui est arrivé à Jean Charret. À un moment donné, on s'est perdu de vue et puis évidemment, j'ai cessé d'épouser les mêmes causes que lui. Je ne suis pas un libéral. J'ai cessé de l'appuyer politiquement. Euh, je ne suis pas un libéral. Et pour moi, voyez-vous, Jean Charest, c'est deux personnes différentes. Mais je peux vous dire que Jean Charest c'est un exemple, et j'ai été au premier loge pour le voir, d'un candidat qui a été euh, coiffé et manicuré. Tôt dans sa carrière et on voyait déjà le plan. On se disait déjà là, ça c'est du matériel de premier ministre et tout le monde abondait dans ce sens-là et se mettait d'accord. Et euh, il, prof, il a profité assez tôt dans, dans sa vie, là, dans sa carrière, de ce vent de soutien-là. La même chose arrive en ce moment là avec Madame Anglade. Écoutez, je lis son CV, Madame Anglade. Je suis euh, Très étonné là, c'est parce que je veux dire titulaire d'un bac en génie industriel à Poly. Ok, alors ça c'est un bastion totalement masculin habituellement. Là, je veux dire, les femmes sont pas, ils ont pas d'amour pour le génie civil, le génie électrique, le génie euh, industriel. Non, non. même si on les encourage avec des programmes d'accès à l'égalité, oui, il y a des exceptions comme Madame Anglade qui finit par se frayer un chemin là-dedans. Mais ce n'est pas la règle, la norme. Les femmes ne sont pas attirées vers ces professions-là. Alors, elle, elle, elle m'étonne déjà. Je vois déjà. Euh, une femme qui voulait faire changer les conventions. là Mais dans quel but? OK? Dans des buts personnels? Avec là, continue. En 1996, elle commence à travailler pour Procter Gamble. Procter Gamble, c'est cette compagnie euh, qui s'est servie euh, à un moment donné euh, euh, de cette publicité où on se moquait des hommes pour euh, faire pour vendre des produits pour aller chercher euh, la faveur euh, des consommatrices. Euh, féminine. Et puis, ça, ça avait eu un backlash, avait eu un, un effet de retour, de boomerang épouvantable. Euh, les hommes aux États-Unis, ça, c'était euh, euh, soulevé en masse et avait boycotté Procter Gamble, qui perdait des millions de dollars par jour et euh, qui les a forcés à faire des excuses publiques. Alors, vous voyez là, Procter Gamble, pousse des valeurs féministes, pousse des valeurs euh, misandres, anti-masculines. Tu sais, il faut arrêter d'avoir peur d'appeler un chat un chat. C'est ça qu'on, c'est dans ce monde-là qu'on vit présentement. Et c'est ça qui teinte, euh, notre système politique. Et Madame Anglade, elle arrive en force pour vous démontrer c'est quoi le vote identitaire. Okay? Je continue. Madame Anglade, en 2005, commence à travailler pour la firme McKinsey. La firme McKinsey là, qui qui qui, qui finance et qui euh, a monté tout le programme de Monsieur Legault, euh, qui se dirige vers le le Fem Forum économique mondial et les, les, les objectifs de, de 2030 là, je veux dire, on sait là, on commence à être au courant euh, de la supercherie des de comment les élites nous manipulent avec les des médias et puis tout ça. Alors Madame Madame Anglade est aux premières loges depuis le début là, depuis le début. Après ça, elle devient ministre euh, de l'économie, de la science et de l'innovation. Alors, euh, imaginez-vous avec les programmes d'intelligence artificielle qui se préparent dans les écoles du Québec. Madame Anglade, c'est une pro, c'est une spécialiste. Elle en a fait sa vie. Et, Là, elle nous parle de l'épanouissement des groupes de femmes et de l'inégalité, euh, des inégalités entre les sexes. C'est dans le credo de Mme Anglade. Écoutons comment elle a parlé à M. Legault lors du débat des chefs. M. Legault, sous votre gouvernement, il y a eu un recul pour les femmes. Un recul oh, 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 important. Non, ce n'est pas une blague. Oh, ouais. là, vous dites, oh, oh ouais, ce n'est pas une blague. On, on a oh, augmenté on a, mais, 15 des femmes. C'est terminé? Juste, laissez-la la la parler. Merci. Merci. Un recul pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'on a des femmes... Mais non, mais c'est sérieux, cet enjeu-là, M. Legault. C'est sérieux. Il y a des femmes, aujourd'hui, qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail parce qu'elles n'ont pas de service de garde. Elles n'ont pas accès. Elles veulent le faire, mais elles ne sont pas capables de le faire. Parce que toutes les, les, les attentes, les attentes, elles ont augmenté. Je voudrais vous entendre sur... Euh la façon dont François Legault traite les femmes. Vous avez eu à un moment donné même de la difficulté à prendre votre place ce soir. C'est vos, vos collègues, vos, vos autres adversaires qui euh, vous ont laissé cette place-là. Puis, euh, M. Legault dit euh, que vous voulez euh, mettre en lumière qu'il traite inéquitablement les femmes. C'est quoi la relation que vous reprochez à François Legault et sa façon de traiter les femmes? La première chose que j'aimerais vous dire par rapport à votre question, c'est que je pense que j'ai pris ma place ce soir. Alors je reviens toujours sur cette euh, assurance, cette certitude euh, que semblait avoir Madame Angla du des cette cette presque désinvolture. Tu sais, elle a pris sa place, elle savait ce qu'elle faisait, elle savait ce qui l'attendait. Et là, il nous parle pas juste des, de de la nécessité d'envoyer vos enfants à l'État, mais elle parle aussi d'éducation, qui est un sujet qui me touche, moi, Pierre, le prof, évidemment. Puis lorsqu'on parle des enjeux les femmes, par exemple, on a parlé des, euh, des, euh, des professeurs. C'est comme si, des professeurs et des enseignants, c'est comme si euh, la seule solution, c'est l'augmentation de salaire. c'est pas juste ça. C'est l'impact de, de la charge de travail, la charge mentale, ce que les femmes vivent au quotidien, ne pas sentir que tu es à ta place au travail, ne pas sentir que tu es à ta place à la maison. Ça, les femmes le vivent partout, tout le temps, au Québec. <tousse> Alors, entendre Anglade parler, il y a juste les femmes qui souffrent dans le milieu du travail. C'est le manque Au de manque d'enseignants dans les écoles. Ça fait deux ans que vous êtes enseignant. Oui. Ense... Vous voyez des gens partir? Oui, il y a beaucoup de gens qui partent. C'est soufflant. Il y a des questionnements à savoir est-ce que je vais être capable de faire 20 ans là, dans la profession? Ce serait quoi les moyens concrets mis en place pour garder les enseignants dans la profession? Alors, ça me fait toujours rire de voir des enseignantes comme Naomi, là, ou Noémie, peu importe son nom, là, qui, qui se demandent là, sérieusement comment est-ce qu'on pourrait faire pour garder les enseignants dans la profession. Et elle dit les enseignants, bien qu'il n'y ait plus d'hommes dans les écoles, ou à peu près pas. Là. Alors, je trouve ça vraiment euh, suave là, de, de toujours ramener ça à la question de l'enseignant. Quand on, on a éliminé les hommes de l'enseignement, et voyons, qu'est-ce que madame... Anglade a à répondre à ça. Comment faire pour convaincre les Noémie du mode de ce monde de rester dans les salles de classe? Oh, ben, J'entends le message de, de Noémie, puis j'ai rencontré Sarah il y a deux jours, puis Sarah me disait qu'après quatre ans, elle avait décidé... De quitter la profession d'enseignement parce qu'elle était plus capable, parce qu'elle vivait un burn-out personnel, elle était plus capable de faire face à la musique, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources. Il y a des classes qui sont bondées, et si tu as huit personnes qui souffrent par exemple d'un TDAH ou qui ont besoin d'aide, ils n'ont pas les ressources nécessaires. Ce qu'il faut, c'est aller recruter pour trouver des ressources pour soutenir nos enseignants dans un premier temps, puis faire en sorte qu'on valorise véritablement la profession. Alors c'est ça, Madame Aglade. Euh, augmenter le, les ressources, injecter encore de l'argent, on ferait des contribuables. Sans que ça règle le problème vraiment et surtout parler de revaloriser la profession de l'enseignement alors qu'on s'est débarrassé de tous les hommes là alors il euh, y a comme une incohérence comme une contradiction il faut d'abord s'occuper euh, de du bien-être et de valoriser la, la profession auprès des hommes euh, au, aussi bien qu'auprès des femmes non est ce que vous ne voyez pas euh, un besoin d'équité là en quelque part. Je suis Dominique Anglade, une mère de trois enfants, euh, québécoise d'origine haïtienne. Je suis également euh, ministre de l'économie, de la science et de l'innovation. Alors, réaliser quelque chose, là, une fois pour toutes, si ce n'est pas déjà le cas, c'est qu'on a affaire, lorsqu'on veut saboter une élection, à un travail de fond qui se fait depuis longtemps par nos élites. Pour convaincre la population et irriguer leur pensée vers une façon d'agir euh, entre eux-mêmes, entre les, entre les gens, euh, pour de façon à rendre un groupe victimaire et l'autre groupe comme le groupe oppresseur. Et de là émane toute une euh, politique politique d'identité, une politique identitaire, si vous préférez. Euh, où les gens vont voter non parce que les gens euh, sont compétents devant eux, mais parce que ils correspondent à la même identité qu'eux et elle. Alors, Madame Anglade, si elle est préférée et si elle a été protégée jusqu'à maintenant et si elle est chef de l'opposition, dites-vous que c'est pour les raisons suivantes c'est une femme, c'est une mère de famille, c'est une femme d'immigrants. Euh, c'est une femme qui a épousé une, une carrière qui était euh, normalement réservée aux hommes, donc elle change les conventions et elle se dit victime au nom d'elle-même de, et de tous ses concerts et c'est dans le panneau, c'est le panneau dans lequel elle veut vous faire tomber. En espérant que vous allez comprendre que les programmes d'accès à l'égalité ont juste amené une autre forme de discrimination, une qui a fait souffrir les hommes, les familles du Québec depuis 50 ans. Et mesdames, vous avez euh, beaucoup de réflexions devant vous, beaucoup de choses à, 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 à réévaluer et... Euh, 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 et à reconsidérer, euh, et euh, le message aujourd'hui s'adresse à tout le monde, alors pouce bleu tout le monde, partagez euh, ma capsule, il euh, y en aura d'autres, euh, moi je pense prendre une pause, là. je suis travailleur forestier, alors euh, j'ai une charge de travail d'une dizaine de jours qui m'attend, je pense que je vais euh, m'accorder du temps, pour moi, mais euh, je vais préparer mes prochaines capsules. Il reste d'autres règles euh, à suivre lorsqu'on veut saboter une élection, saboter un peuple. Et je vous reviens euh, bientôt. Messieurs, dames, merci de rester avec moi. Pouce bleu, commentaire tout le monde. Commentaire très important, comme d'habitude. Au revoir.